La secrétaire d'État chargée de la politique de la ville était donc ce mercredi après-midi dans le quartier des Doucettes pour la pose de la première pierre d'un programme d'accession sociale à la propriété. Le quartier des Doucettes compte 4300 habitants, soit 11% de la population totale de la commune. Fadela Amara a expliqué à notre journaliste Johan Bensoussan pourquoi l'accession sociale à la propriété lui semble importante. Beaucoup de familles modestes qui habitent dans ces quartiers populaires veulent être propriétaires comme tout le monde. Et je crois que ceux et celles qui ont beaucoup travaillé dans leur vie, qui ont été des smicards par exemple, et qui n'ont pas eu les moyens de mettre assez d'argent de côté pour pouvoir avoir un apport qui leur permettrait d'investir sur du bâti, aujourd'hui, avec toutes les mesures que nous avons mises en place avec l'ensemble du gouvernement, je pense à tout, au pass foncier, mais à tout le reste, mais y compris un investissement majeur en termes de millions avec l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, la mobilisation massive du 1%, avec l'ensemble de tous ses partenaires, l'État a mis en place une politique qui permet justement aux habitants des quartiers populaires de devenir propriétaires à travers ce dispositif d'accession sociale à la propriété.